On est avec Hassan Endam, ancien champion du monde de boxe anglaise, l'un des tout meilleurs boxeurs français. Hassan, on connaît beaucoup ta carrière, on connaît tes exploits, on connaît moins le début de ta carrière. En 2004, tu fais les Jeux Olympiques, ensuite tu arrives en France dans la clandestinité. Est-ce que tu peux nous raconter cette époque qui est un peu la genèse d'un champion? C'était qui Hassan Endam à cette époque et c'était quoi sa vie? Alors, bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Je vais pas tout vous raconter parce que si je vous raconte tout, ben vous verrez pas mon film et vous lirez pas mon livre. Donc, parce que vous aurez déjà tout. Mais je vais vous dire quand même, 2004, c'était une année de genèse, comme tu dis, parce que je pars déjà des amateurs pour rentrer dans le monde professionnel. J'avais le choix, soit les États-Unis, soit la France, parce que je venais des Jeux Olympiques et j'avais les cartes de visite de manager dans les deux côtés. J'ai choisi la France pour la barrière de la langue déjà à la base et la facilité, parce que la France, comme on dit, c'est la mère du Cameroun. Et je me suis dit, je vais avoir beaucoup plus de facilité pour m'intégrer et pouvoir faire ma carrière tranquillement. Ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été facile. J'ai rencontré Mousse qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts de carrière, qui m'a porté, qui m'a propulsé, malgré que j'étais à la recherche des papiers. Il était derrière moi à me soutenir de partout, avec la mairie, avec les voyages clandestins en Allemagne, aller mettre les gants avec des anciens champions du monde comme Félix Turm. J'ai rencontré du beau monde à cette époque grâce à Mousse et j'ai appris le métier. Et donc en 2008, c'est là où tout est parti avec le cirque d'hiver. Et donc j'ai gagné ce tournoi, j'ai enchaîné avec un contrat avec les Acariès, le papa, donc Michel, et qui m'a amené en championnat du monde contre Curtizé en 2010. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment un début qui n'était pas facile, mais qui a été atteint, un objectif atteint. Et c'est ça que les gens connaissent peu finalement. Tu as un parcours qui se rapproche beaucoup de celui de Francis Ngannou, par exemple, au début. Voilà, pour que les gens comprennent bien, tu es dans la clandestinité. Parfois, c'est difficile pour te loger. Comment c'était, Hassan? Je vais le dire, parce que bah, c'est ce que vous verrez plus tard aussi et que vous lirez. J'ai dormi pendant pratiquement 4 ans dehors, dans la rue. Et j'ai ramassé pratiquement, j'en parle à mes enfants souvent pour leur montrer que la vie de papa n'était pas facile. J'ai dû attendre les déchetteries tous les jeudis pour aller ramasser des objets, l'unité centrale, un canapé qui traîne, un drap, voilà, mais un tapis par exemple, des gazinières pour aménager le squat où je vivais. Donc c'était pas vraiment facile, mais j'ai même eu des propositions indécentes de garder la drogue chez moi pour gagner de l'argent facile. J'ai refusé parce que c'est quelque chose que je découvrais. Je ne suis pas élevé dedans. Je suis pas élevé dans la clandestinité et je découvrais ça. Donc j'étais plutôt choqué que pouvoir accepter. Donc ça fait que je me suis dit, mes parents m'ont envoyé en France pour, enfin. J'ai laissé mes parents au Cameroun, je leur ai dit que je partais en France pour devenir un professionnel de boxe, mais pas pour finir en prison. Donc j'ai dû refuser ces propositions et préférer galérer que de pouvoir accepter ces choses-là. C'est pas facile, hein, surtout quand on se retrouve dans cette position-là, on est plutôt vulnérable et ces gars, ces personnes-là ont vu ma vulnérabilité et ils ont voulu justement que je plonge et j'ai été plus fort qu'eux. T'as une vie, moi je dis souvent ça de certains parcours, mais une vie qui, en fait, à côté, l'histoire de Rocky, en fait, c'est une comptine pour enfants. Quand tu regardes d'où tu viens et où tu es arrivé, quel sentiment prédomine? Bah, la fierté. Il n'y a rien à dire parce que mon feu papa, aujourd'hui, qui est décédé, qui m'a appris la boxe, en était déjà fier quand j'étais tout petit. Il m'appelait, quand j'avais l'âge de César, il m'appelait déjà champion du monde parce qu'il voyait en moi déjà ce champion. Mais aussi, je me dis aujourd'hui avec l'expérience qu'il est en train de forger mon mindset. Il est en train de me mettre dans la tête qu'il faudrait que je garde cette mentalité de champion du monde dans ma tête, que je vais l'être.
et je l'ai cultivé durant tout petit. Et aujourd'hui, quand j'ai été champion du monde pour la première fois, j'ai une anecdote là-dessus. Je suis rentré au Cameroun et j'ai donné la ceinture à mon père et j'ai dit, tiens, le champion du monde tout petit que tu disais, il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Moi, je dormais. Il a pris ma ceinture, il l'a accrochée autour de sa taille et a fait le tour de quartier. Et tous ceux qui voulaient prendre des photos lui donnaient de l'argent. Il est venu frapper à ma chambre et il m'a dit, tiens, voilà tout ce que j'ai pu avoir avec ta ceinture. Je lui ai dit, ça t'appartient, c'est toi qui es le formateur de cette ceinture. Et c'était marrant parce que c'est quelque chose. Il m'a réveillé dans ma chambre et me dit, tiens, voilà ce que j'ai gagné avec ta ceinture, c'est pour toi. Et je lui ai dit non, garde-le, garde cet argent, c'est pour toi, parce que c'est toi qui m'as formé pour ça. Il y a un truc qui est très fort, Hassan, dans ta carrière, c'est que t'es un boxeur aérien qui parfois s'exposait, t'es allé beaucoup de fois au tapis dans ta carrière, mais tu t'es toujours relevé. C'est-à-dire que tu as déjà été au tapis, mais tu n'as jamais été compté à 10 au sol. Où tu as trouvé la force de toujours te relever? J'ai cette force déjà de mon mental. Du Cameroun, parce que quand tu viens d'un pays comme le Cameroun qui souffre, où tu es toujours pris en second, on va dire même en dernier, tu es accepté en dernier, tu as quand même quelque chose à prouver à chaque fois. J'ai toujours quelque chose à prouver. Mais en plus de ça, je me suis aussi forgé à travers tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Parce que je me suis toujours dit, je ne tomberai jamais aussi bas que ce que j'ai vécu au début. Et lorsque je vais au tapis, c'est pas ça qui va me maintenir au sol. J'ai l'impression que c'est juste un flash et je me relève tout de suite et je repars. Tant que je ne suis pas mort, et dans ma tête, quand je monte sur un ring, tant que je ne suis pas mort, couché, je me relèverai et on va combattre jusqu'au bout. Sans dire que je me mets en danger, bien entendu, si je suis en danger, je m'arrêterai comme je l'ai fait contre Murata, tout simplement. Il y a un grand champion français qui m'a dit un jour cette phrase. Il m'a dit, on ne devient pas champion par hasard. On a tous une blessure, une faille qui nous pousse sur le devant de la scène. Je ne sais pas si cette phrase résonne en toi, mais si oui, quelle est ta blessure à toi? Je ne pense pas que j'ai une blessure. Je ne vais pas appeler ça une blessure, je vais appeler ça une expérience. C'est une expérience qui te forge à devenir quelqu'un d'autre demain. Une blessure, c'est quelque chose qui reste ouverte et qu'on n'oublie pas et qui te diminue, parce qu'une blessure, c'est négatif. Et ça forcément te diminue. Si elle n'a pas cicatrisé, si tu te sers de ça pour avancer, ça veut dire qu'elle est encore ouverte. Lorsque c'est fermé et qu'on se sert justement de ça pour ne plus avoir la même blessure, là, on devient grand. En fait, moi, j'appelle ça une expérience. Pour moi, c'est des expériences qui m'ont rendu l'homme que je suis aujourd'hui. Quel est le combat le plus difficile de ta carrière? Difficile, le combat le plus difficile de ma carrière est de m'éloigner de mes enfants. C'est le combat le plus difficile parce que lorsqu'on est en préparation ou qu'on est parti, on ne voit pas ses enfants. J'appelle ça des sacrifices, mais ce n'est pas des sacrifices parce que c'est un métier qu'on a choisi. C'est quelque chose qu'on a choisi et c'est juste beau. Mais c'est douloureux aussi et on se sert justement de ça pour avoir l'influx nerveux pour battre l'adversaire qu'on a en face. Tout simplement parce que c'est à cause de lui qu'on met ses enfants de côté, qu'on met sa famille de côté et qu'on travaille aussi dur. Et qu'on a une personne derrière comme un entraîneur pour te pousser. Donc ça devient ton ennemi, ton entraîneur. D'un point de vue boxe, tu as fait des combats très difficiles dans ta carrière. Mais il y a un combat qui a été particulièrement difficile dans le contexte émotionnel, c'est le combat contre Zuniga. Oui. Sur lequel j'avais fait un article à l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience dans ce combat? Je n'oublierai jamais ce combat parce que c'est un combat qui est mémorable. C'est un combat mémorable pour mon père parce que mon père aujourd'hui, c'est toute ma vie. Mon père m'a donné la vie et il m'a donné les armes pour combattre cette vie. Il m'a appris la boxe. Aujourd'hui, je vis de la boxe parce que grâce à mon père. Et parce que pour bien comprendre, Hassan, ton papa est décédé une semaine avant ce combat. Voilà. Mon papa est décédé une semaine avant ce combat. Je voulais même l'annuler. Mousse m'a demandé de l'annuler. C'est ma maman qui m'appelle pendant que je faisais ma prière de dommage, qui me dit il faudrait que tu combattes, que ce combat soit comme un hommage pour ton père.
parce que c'est lui qui t'a appris la boxe. Et ma motivation, elle est revenue le même jour. J'ai eu une journée de repos, je devais aller à l'entraînement, j'ai eu une journée de repos pour faire le deuil. Et j'ai repris l'entraînement comme s'il n'y avait rien. J'ai repris le deuil juste après ce combat. Pendant ce combat, mon biceps gauche éclate. Donc c'est vraiment un combat qui est énorme pour moi parce que je ne l'oublierai jamais. Je frappe et mon biceps gauche éclate. Et je ressens comme si j'avais des ailes qui poussaient dans le dos. Et je bougeais et je frappais qu'avec une main. J'ai gagné ce combat avec le bras arrière, juste le bras droit. Et je pense que je n'étais pas seul sur le ring ce jour-là. Je pense que mon père m'a accompagné ce jour-là sur le ring parce que je l'ai ressenti pendant le combat. Et c'est un hommage, je le garde toujours et je le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté. C'est quoi la plus belle émotion que tu aies vécue ? Est-ce que c'est sur un ring ou en dehors ? La plus belle émotion, c'est toujours sur un ring. Parce que si on parle de boxe, toutes mes expériences se passent sur le ring. En dehors, c'est la préparation justement du jour J. Quand je dis en dehors, c'est dans la vie. Oui, après la plus belle émotion, on a des émotions partout. On a des émotions en amour, on a des émotions sur un ring, on a des émotions à l'entraînement. La plus forte, c'est forcément sur un ring. C'est forcément sur un ring parce que le ring m'a élevé, le ring m'a forgé. Et le ring, c'est toute ma vie aujourd'hui. Donc c'est forcément sur un ring que j'ai eu la plus belle émotion, d'être champion du monde. Et forcément, derrière, j'ai envie de te demander, est-ce que c'est possible de vivre des choses aussi fortes en dehors du ring ? Je pense pas. J'ai des exemples concrets. Les boxeurs qui sont sortis de leur carrière ont forcément navigué sur autre chose, en particulier la drogue, comme Oscar De La Hoya et bien d'autres. Tout simplement parce que la boxe procure des émotions et une adrénaline qu'on ne retrouvera jamais dans la vie. Et je me demande comment sera mon après-carrière. J'ai envie justement de mutualiser mes aventures dans mon après-carrière, peut-être en organisant, en devenant manager, en devenant entraîneur en même temps, pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un quart de cette émotion parce qu'on suit un gamin qui va boxer ou qui va devenir champion du monde et cette émotion qui va être transférée, qui va m'être transférée. Donc je pense qu'on ressent ces choses-là aussi et c'est pour ça que je me prépare dès maintenant à ça. Justement, tu m'amènes sur ma prochaine question. Tu as 38 ans aujourd'hui, tu es toujours combattant. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à combattre ? Combattre, faire des préparations, c'est synonyme de douleur. Tu n'as pas ta dose à 38 ans ? Je dis toujours et je suis véridique, tant que je n'aurai plus envie de me lever pour aller faire un footing ou aller à l'entraînement, j'arrête. Parce que l'envie, c'est la première chose qui me motive et qui motive un être humain. L'envie de faire quelque chose, la volonté de faire quelque chose te pousse à pouvoir réaliser un rêve. Et aujourd'hui, j'ai encore des rêves, plein les yeux. J'ai encore une dernière échéance de faire un dernier championnat du monde et de faire un championnat d'Europe et de faire un championnat de France pour en jubiler, pour faire le sens contraire de tous les adversaires, de tous les boxeurs. Parce qu'on sait, on connaît justement le chemin qu'il faut prendre. Il faut être champion de France, après se classer pour être champion d'Europe, et après le championnat d'Europe, enfin championnat du monde. Mais moi, je suis passé tout de suite en championnat du monde. Je veux faire l'effet inverse pour entrer dans l'histoire comme j'ai toujours voulu et comme je l'ai fait quand j'ai gagné mon KO de l'année, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de boxeurs qui arrêtent un peu trop tard, qui font le combat de trop, parce oui. que c'est vrai que c'est dur de renoncer à cette adrénaline, à cette sensation incroyable. Est-ce que tu as peur justement du jour de la retraite, du jour où ce sera fini, parce que la retraite, c'est quelque part une petite mort symbolique pour un athlète ? Non, je n'ai pas peur de ça. Il faut simplement être prêt. J'ai eu peur en 2014 lorsque j'ai eu mon bras éclaté, je n'avais rien. J'ai regardé derrière moi et je me suis dit, si ça s'arrête aujourd'hui, qu'est-ce que je deviens ? Et à partir de ce moment, j'ai pris les choses en main. Aujourd'hui, je suis diplômé d'État, j'ai fait toutes les formations fédérales et je suis en ce moment en train de faire un DES. Je suis toujours dans le travail
de recherche de mon après-carrière. Ça fait que je ne vais jamais être surpris. Si demain il s'avère que j'arrête du jour au lendemain, j'ai déjà la reconversion qui est prête. Donc je n'ai pas peur de ça. Mais comme je le dis toujours, je ne ferai pas le combat de trop. Parce que pour moi, le combat de trop, c'est l'homme qui l'accepte. Ça veut dire que simplement, si demain sur un ring, je trouve que c'est très dur, j'arrête. Je ne veux pas me mettre en danger pour le sport, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une famille, j'ai des gens qui comptent sur moi, et je pense à eux aussi, et je pense à moi. Le jour où ça s'arrête, comment tu veux qu'on se souvienne de toi ? Comment je veux qu'on se souvienne de moi ? Tout simplement en me rendant ce que j'ai donné. Tout simplement, je ne demande pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne l'ai même pas, cette reconnaissance, en tant que sportif encore. Je ne l'ai pas. Parce que le sportif en France, le boxeur français, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et c'est dommage, justement, parce qu'on voit comment la boxe tombe, la boxe meurt à petit feu. Et comment je veux qu'on me reconnaisse, c'est tout simplement qu'on me redonne ce que j'ai donné, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas, je rebondis sur ce que tu dis, hein, est-ce qu'il n'y a pas une part de regret d'être arrivé au sommet, quelque part à la mauvaise époque, quand la boxe déclinait d'un point de vue médiatique, d'un point de vue télévision, pendant très longtemps, tu as été le meilleur boxeur français que la France ne connaissait pas ? Je ne pense pas que j'ai été à la mauvaise époque. J'ai fait l'époque. Je veux dire, lorsque je suis arrivé, c'est grâce à moi que le sport, la boxe a repris ses lettres de noblesse. Parce que j'ai défendu la France partout dans le monde. Gagnant ou perdant, on chantait l'hymne national français. Je veux dire, je ne suis pas tombé dans une mauvaise époque. Justement, lorsque je suis arrivé, Canal Plus est revenu. Lorsque je suis arrivé, des chaînes sont arrivées comme RMC Sport. L'équipe 21 a diffusé ma demi-finale mondiale contre Curtis Stevens. Je pense simplement que chacun fait son époque et qu'aujourd'hui, bah, peut-être parce que je ne suis plus champion du monde, bah, il n'y a personne pour reprendre le flambeau, tout simplement. Dernière question, Hassan. Qu'est-ce qui frappe plus fort, les coups qu'on reçoit sur un ring ou les coups que tu as reçus dans la vie ? Les coups que j'ai reçus dans la vie ont fait beaucoup plus mal que sur un ring, parce que lorsqu'on rentre sur un ring, on est comme anesthésié par l'adrénaline, donc ça veut dire qu'on ne les sent pas, les coups. Mais dans la vie, on les sent vraiment, les coups, et surtout quand on n'est pas préparé. Lesquels ont été les plus douloureux ? Bah, on va pas dire, mais j'ai reçu des gros coups de cœur. Donc c'était les plus douloureux, mais aujourd'hui je suis guéri. Je suis guéri grâce à mes enfants, je suis guéri grâce à ma chérie. Donc aujourd'hui je suis vraiment un homme comblé et prêt à relever tous les défis. Qu'est-ce qu'il en pense, César ? Il est fier de son papa ? Oui. Hassan, il y a un combat franco-français que la France attend depuis de longues années, dont on a beaucoup parlé déjà il y a plusieurs années, qui n'est toujours pas arrivé. C'est ton combat contre Christian Mbili. Est-ce qu'on a une chance de voir ce combat ? Ce combat n'est jamais arrivé, tout simplement. C'est indépendant de ma volonté, de mon équipe, de mon staff, parce que nous voulons justement relever ce défi de Christian Mbili, qui veut m'envoyer à la retraite, selon ses dires. Donc je pense aujourd'hui, nous avons une proposition pour le 17 décembre à Nantes. Et nous sommes en négociation qui traîne, bien entendu, de leur côté, parce que je suis très intéressé par ce combat. Lorsqu'on m'a contacté en me disant nous n'avons pas d'adversaire, nous sommes à la recherche d'un adversaire pour Christian pour le 17, j'ai dit super, je suis intéressé tout de suite. Et donc nous sommes rentrés tout de suite en négociation, et ça traîne tout simplement parce que comme je disais tout à l'heure, on ne reconnaît pas mes efforts. On ne me reconnaît pas ma juste valeur, et la proposition, elle est vraiment, ce n'est même pas digne d'un champion d'Europe. Voilà. Christian a dit qu'il t'enverrait à la retraite. Qu'est-ce que tu as à lui dire ? Je dirais que ce n'est peut-être pas lui qui m'enverra à la retraite, parce que c'est moi qui déciderai d'aller à la retraite. Je l'ai dit à Martin Murray, parce que Martin Murray m'a dit la même chose.
qui m'en verra à la retraite. Je lui ai dit, on ne s'arrête, on ne m'arrête pas. Si je décide demain d'arrêter, ce serait moi qui arrêterai la boxe. Personne ne m'arrêtera. Et je suis prêt à donner une correction à Christian Mbili avec ce qu'il a dit, juste tout simplement parce qu'il a parlé, il a ouvert sa bouche et j'ai envie de lui donner cette correction. Donc ce combat me tient à cœur. Et tout simplement lui dire, prépare-toi bien parce que tu t'es avancé. Donc il y a beaucoup de gens qui croient en toi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu peux me battre, mais tu n'es pas prêt à me battre. Ça, il faut que tu te le mettes encore dans la tête. Tu as beaucoup progressé. Je trouve que tes combats sont bien, que tu avances, tu apprends au fil des combats, mais tu n'es pas encore à mon niveau. Voilà ce que j'ai à te dire.